Yo les gars, c'est ton dernier foot champ. Bah je sais pas les gars, vous avez vu, ils ont annoncé sur Twitter hier qu'ils allaient continuer à mettre des tots dans les packs. Je pense que ça sera un de mes derniers foot champ. Après pour le coup, voilà, comme on disait, on allait arrêter parce qu'il n'y avait plus de bonnes récompenses. Là c'est ce week-end, c'est 100% sûr, on le fait pas. Là c'est bon, là j'en peux plus, on va faire une petite pause. Mais s'il y a ça, peut-être que d'ici 3 semaines, s'il y a toujours des tots dans les packs, je sais pas combien de temps ils ont prévu de mettre des tots, mais ils ont dit que pour ce week-end il y en aura encore. Peut-être qu'ils vont le garder et ils ont dit qu'ils allaient mettre des trucs jusqu'à la fin de Foot Champ. Donc s'il y a encore des trucs assez intéressants en récompense, d'ici 3 semaines on en refera peut-être un. Peut-être, pourquoi pas. Mais en tout cas ce week-end c'est sûr qu'on le fera pas. Allez, récupérons du coup, malheureusement ce sera du Elite 1. On a fini à 28-2, à quoi, une trentaine de points du top 100 entre notre technique. Mais bon, c'est pas, enfin, ça fait un peu chiant en vrai, surtout qu'on avait fait le sans faute jusque là. Les 5 semaines de tots, on avait fait 5 top 100. Malheureusement on a craqué sur le dernier. Bah ouais, genre je méritais pas le top 100, genre y a pas de... Enfin y a rien, genre j'avais pas envie de jouer ce week-end. J'ai mal joué, j'ai fait 2 défaites très rapidement. Donc c'est déjà miraculeux Elite 1 en vrai, pour le coup. Mais c'est juste dommage pour ce côté de notre technique quoi. Mais bon, on n'a même pas eu le temps de faire beaucoup de matchs le vendredi. Pour la note technique, il aurait fallu que je fasse une dizaine de matchs le vendredi. J'en fais jamais beaucoup le vendredi. Là, on en avait fait encore moins parce que les serveurs, ils buguaient. Du coup, pour le coup, bah voilà, ça nous coûte un peu le top 100, mais c'est pas très très grave. On espère du lourd. Et peut-être que voilà, top 100, on n'a jamais trop de chance. Peut-être que Elite 1, sachant que genre sur les dernières semaines, Rafsou, il a eu Ronaldo Tots en vendable, en faisant Elite 2 dans un pack 3 joueurs. Rezia, il a fait Elite 1, il a eu Messi Tots. Samy, il a fait Elite 1, il a eu Messi Tots. Donc j'ai l'impression que le Elite, il peut payer. Après, voilà, peut-être qu'on sera toujours autant maudit, j'en sais rien. Le premier du lourd d'entrée, ce serait cool. Oh là là, ça commence mal. Ce sera Sarabia ou Kimmich. En vrai, qui je prends? Kimmich a une meilleure note, mais en vrai, Sarabia... Après, Sarabia, on va le revoir, c'est quasiment sûr, en fait. Kimmich, en vrai, je le trouve vraiment nul en latéral. Enfin, pour FIFA, il a rien, en fait. Genre, il est pas assez rapide, il est trop petit, et il a pas assez en physique. En force, il a que 70. Donc, en vrai, dans le jeu, il est pas top du tout. Sachant que dans la même tote, il y a Da Costa, qui est, lui, un milliard de fois meilleur. Donc je sais pas trop, mais je pense qu'on va prendre Kimmich, parce que Sarabia, on va sûrement le revoir, on va pas se mentir. C'est sûr. Le 1, allez, je le sens bien. Non, pourquoi j'ouvre ma gueule? Non, on l'a déjà, Pogba Garela. Oh là là. Oh non, c'est dégueulasse. Quand tu vois les premiers 85, 85, 86, ça pue. Oh, il a des stats de ouf, lui, il a 4 toiles. Ah, il a pas 4 toiles. C'est top, putain, il est même 90 en force. Il a 90 dans 5 de ses 6 stats. Et la stat de défense, on s'en fout. Même en défense, 61 pour Anneli, c'est pas nul. Hein. En vrai, il a des bonnes stats. Dommage qu'il ait pas les 4 étoiles. Dommage. Allez. Oh, Sterling. Oh, j'ai eu peur. Oh, franchement, j'ai eu peur de ouf. Sterling, ça passe encore. Bon, c'est pas ce qu'on voulait. Mais j'ai eu peur de ouf quand j'ai vu les 4 premiers. Si c'était Vela mon meilleur, j'aurais eu bien le seul. Oh, il a des stats, lui, par contre. Des stats de ouf, hein. Ou un 88 de gêne. Ce sera Sterling. Sterling, ça passe. Ça passe, franchement. On va pas se plaindre. Sterling, ça passe. Mais je vous cache pas, quand j'ai vu 85, 88, 86 et 95, j'ai vu Vela. Je me suis dit, putain, si c'est Vela, là on aurait eu Vela, ça serait pas ouf. Ok, bah on aurait eu Sterling, en vrai, c'est le seul point positif parmi les trois, quoi que Larella qu'on a déjà en doublon, du coup on l'a en rouge. Et Kimmich qui est vraiment nul pour un latéral. En vrai, le poste où il pourrait être le mieux, c'est presque au milieu de terrain, tu vois. Encore au milieu de terrain, il a des bonnes stats pour jouer mieux. Kimmich, très bon de game. Bah en vrai, non, je trouve pas, justement. Après, chacun ses goûts, tu vois. Mais pour un latéral, genre il a rien en fait. Il est pas rapide, il est pas physique et il est petit. Genre c'est le pire truc. C'est comme Kimmich, c'est exactement comme Philippe Lahm à l'époque. Philippe Lahm, il était tout le temps totti dans tous les FIFA. Mais il servait à rien en fait parce qu'il était pas assez rapide et pas assez physique et beaucoup trop petit. Et c'est exactement pareil pour Kimmich. Et encore plus sur un jeu comme ça où c'est beaucoup de centre et un mec à 1m76. Il a combien de détente? Je pense qu'il a une bonne détente quand même. Ouais, 95. Mais 1m76 et si peu de force et tout, c'est très compliqué. On va commencer par les 100k vendables, après on fera les 125k et après du coup l'état ultime. Allez,
Le premier, si on peut avoir des animes, c'est toujours pas plus, mais bon, j'attends pas grand chose de ces packs-là. On n'a jamais d'anime dans les packs de récompense de chambre, donc un boost, mais c'est pas une anime. Ok. 76. Compliqué, compliqué. Allez, une anime. Une anime dans celui-là. Bah, ça aurait été bleu, ça aurait été cool, mais ça va pas être grand-chose. Insigné, ouais, non. Non, c'est dégueulasse pour ce moment-là du jeu. Je pense pas que ça coûte grand-chose. Oh, c'est quoi cette carte? C'est un héros, c'est ça, non? Ouais, héros, il y a écrit en bas. Héros. On a une carte héros, on a insigné. Une anime si possible, la PAK à 125 quand même. Ouais, une anime. Allez, bleu. Non, 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 non. Français. Kanté? Oh, Matuidi. Oh, non, c'est. Mais ça devrait pas être une anime. Je comprends pas comment il peut être anime, Matuidi. Il y a quasiment tous les joueurs à 85 qui sont pas animes. Et t'as genre Matuidi, sur la t'en as 2-3 qui sont animes. Mais ça, c'est pas une anime, Matuidi. À quel moment c'est une anime, Matuidi? Ah, c'est les 100. Ah, c'est comme ça les animes. Oh, oh les gars, on est en juin, vous m'avez presque en juillet. Vous m'apprenez un truc sérieux. C'est les 100 meilleurs joueurs du jeu, les animes. Mais je savais pas. S'il vous plaît, un bon drapeau. Dans le premier déjà, pour bien commencer. Je m'en rappelle pas avoir ouvert deux packs élite. Hein. J'ai toujours quasiment fait top 100. Non, au black. J'en étais sûr qu'on allait avoir ce drapeau. Mais on a parlé de Sneaky juste avant. Sneaky, il a eu ça. Il avait qu'un seul pack 3 joueurs, Sneaky. Et derrière, il a eu Averse. Si on a pareil, je signe. Je signe tout de suite. Je signe tout de suite. Par contre, si derrière, on a Sarabia et on peut avoir qui derrière? Sarabia et qui, vous pensez? Vous pensez on a qui derrière? Sarabia et qui? Je pense que Sarabia, il y a 80% de chances qu'il soit là. On va pas se mentir. Mais qui c'est qu'il y a derrière? Genre, la Tot Team? Il y a qui? Sarabia et disons. Et bon, peut-être Robertson. Oh, imaginez, il y a Alisson. Oh, s'il y a Sarabia, Alisson, j'arrête. Ouais, Bernardo Silva, pourquoi pas? Je sais pas s'il coûte très cher. Oh, ou Kimmich. Non, en vrai, c'est soit Havertz, soit rien. Hein. Si on n'a pas Havertz, c'est dégueulasse. Hein. Oh, ouais, si on n'a pas Havertz, c'est bien dégueu. Prions maintenant. Prions, si on a Havertz, c'est parfait. Oh non, oh non, oh, il est dégueulasse. Oh putain de merde. C'est quoi ce pack? C'est quoi ça? Ah oui, le pire, ah ouais, c'est pas loin d'être le pire. En fait, je pense qu'Elite 1, ça nous voit pas. Nous, c'est. Déjà, top 100, on n'a pas trop de réussite. Mais alors, si on fait pas top 100, on peut même pas espérer quelque chose, j'ai l'impression. Franchement, j'espère qu'on a un dernier truc. Parce que ce fut de champlain, ça a été le. Mentalement, je pense, le plus dur. Genre, ça faisait deux semaines déjà que j'avais plus envie de faire fut de champ. Que j'essayais de les faire juste pour avoir les récompenses, quoi. Je me forçais un peu. Du coup, bah, quand tu te forces, tu joues un peu moins bien. Là, ce week-end, pour ceux qui étaient là sur live pendant tout le fut de champ. Je pense que vous m'avez jamais vu autant rager que ça, je craquais pour pas grand chose. Même s'il y avait des trucs, c'était des dingueries, les deux défaites, c'est deux douilles. Hein. Mais ouais, je craquais beaucoup. Si je me suis battu comme ça, en plus il faisait très chaud aussi ce week-end. Si je me suis battu aussi pour avoir deux fois au black, deux fois Sarabia, non franchement là je vais être dégoûté. Je dois être une des personnes qui a fait le plus de top 100 du monde. Genre, je mérite avoir un truc pour la fin, genre. Je sais pas, soyez gentils. Non, en vrai, je vais même pas péter un plomb si j'ai rien. Je vais même pas péter un câble si j'ai rien, parce qu'on est en fin d'année, tu vois, c'est pas dramatique, mais c'est juste pour finir, genre, on va dire un peu. Je sais pas si je referai fut de champ, peut-être je referai, pour pas créer un truc de ouf, et là, on finira en beauté. Mais disons que c'est potentiellement mes dernières récompenses, donc finir la saison en beauté, tu vois, ce serait cool, sachant qu'on n'a pas eu trop de chance pour le coup durant toute l'année. Mais en vrai, je sens tellement revoir l'animation de Black, je le sens, je le sens. Encore elle, encore le drapeau slovène. Non, 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 non. Oh! Non, mais non, c'est Alisson. Non, on va faire encore pire, je crois. On va avoir Sarabia et Kimmich ou je sais pas. Bah non, mais non. Non. Non, non, non. J'ai vu Brésilien en plus. Je sais pas, je suis con. Je sais que le seul Brésilien, c'est Alisson. C'est dégueulasse. Mais je vous jure, j'ai vu Brésilien, ce drapeau, il te fait quelque chose, ce drapeau brésilien. Et là, je sais pas, je me suis dit Neymar, ou je sais pas, mais il est même pas. En fait, je pouvais même pas espérer le drapeau, il cassait mes rêves normalement. Pourquoi j'ai espéré quelque chose? Allez, Avert. Oh, il est un peu mieux, mais il est dégueulasse en vrai. Non, les deux sont dégueulasses. Les deux sont dégueulasses, Bernardo Silva, ça coûte rien. Il aurait fallu Avert en vrai. Oh, c'est 194 ans, c'est même moins cher que je pensais.
Non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. En vrai, on pouvait pas, on pouvait presque pas faire pire. Hein. Genre, à part si on avait Oblak ou Kimmich à la place de Silva, et encore en vrai, ça allait faire 90K en moins. 300 000 le premier, 370 000 le deuxième, du coup, ça fait 670 000 en deux packs. Franchement, je pense que tu peux. Le minimum que tu peux faire, je pense, c'est 600 000, quoi. Donc, non, c'est dégueulasse. C'est deux des pires packs. Pour le coup, là, on a eu la pire poisse du monde. Dans toutes les récompenses, là, j'avoue que c'est dégueu. Mais bon, après, c'est ma faute. On aurait dû faire top 100. On aurait eu au moins un peu mieux, quoi. I've been going through some shit that's getting real now.